En Irak, l'armée est entrée ce mercredi dans Tikrit. C'est ce qu'ont annoncé des officiers et des responsables. La veille, les forces irakiennes avaient repris aux djihadistes du groupe État islamique le faubourg d'Al Alam, situé au nord de Tikrit. Tikrit, berceau de l'ancien président Saddam Hussein, est aux mains des insurgés radicaux depuis l'été dernier. Les forces irakiennes encerclent cette ville stratégique depuis des jours. D'après le gouverneur de la province et des responsables de la sécurité, les militaires ont fait une percée dans le quartier de Kadisiya, situé dans le nord de Tikrit. D'après un officier, le combat est délicat. Nous n'avons pas en face des combattants au sol, mais un terrain piégé et des snipers, a-t-il précisé. Par ailleurs, des observateurs redoutent des représailles contre les civils de la part des miliciens chiites qui ont pris part au combat aux côtés de l'armée irakienne. La région est à majorité sunnite.